Alléluia. 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 Nous vous saluons en ce mardi 16 octobre, mois de la Vierge Marie pour nous les catholiques, et je crois mois de bénédiction puisque Marie prie pour tous les hommes de ce monde, donc mois de bénédiction pour l'humanité. Je vais encore vous entretenir sur non seulement l'acte prophétique, mais en parler de l'acte prophétique et de la déclaration prophétique. Nous allons comprendre en ce mardi comment Dieu agit à travers simplement l'acte prophétique et les déclarations prophétiques. Nous allons lire un passage très simple de la Bible, tiré de premier livre des Rois, chapitre 18, verset 41. Élie dit à Acham, « Monte, mange et bois, car j'entends le grondement de la pluie. » C'est le verset 41 d'abord. Je veux qu'on médite d'abord sur le verset 41. Il dit, « Monte, va rapidement, va manger, car j'entends le grondement de la pluie. » Et écoutez, le roi, c'est vrai, le roi Acab a fait beaucoup de choses, de mauvaises choses, mais quand même, il a ses oreilles qui fonctionnent. Alors, où Élie a entendu le grondement de la pluie. C'est très important, frères et sœurs, pour comprendre ce que c'est que l'acte prophétique et la déclaration prophétique. Et comment l'acte prophétique et la déclaration prophétique vont toujours ensemble. À vrai dire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'épreuve du Mont Carmel. Et on a vu comment la puissance de Dieu s'est manifestée. Alors que Baal qui veut dire prophète ou génie de feu, si vous voulez, et que ces prophètes ont invoqué son nom, c'est-à-dire normalement Baal, c'est vraiment le génie de feu, si vous voulez que je dise, un langage très africain, c'est le génie de feu. Et voici que ce génie de feu-là n'est pas descendu pour consumer le locos, pour consumer l'animal. Et donc, ils ont crié, ils n'ont pas pu avoir de réponse. L'homme de Dieu les invitait à crier encore plus fort, crier plus fort. Et ils ont crié, rien. Et vous connaissez la suite. Quand l'homme de Dieu, Élie, a parlé à Dieu, le feu est descendu. Le feu, non seulement a bu l'eau, consumé l'animal, et a consumé même l'autel. C'est-à-dire qu'on n'a vu que la cendre. Alors, pour Élie, le peuple avait obéi à Dieu. Le peuple devait désormais obéir à Dieu. Et à partir du moment où le peuple revenait à Dieu, il n'y avait plus d'obstacle pour que la pluie ne tombe pas. C'est très important. Rappelez-vous que c'est parce que le peuple avait désobéi à Dieu que Élie a prié pour que le ciel se ferme. C'est très important de marcher dans l'Esprit Saint. Le royaume de Dieu est un royaume de lumière. Et la lumière, c'est la vérité, c'est la connaissance. Et donc, Élie avait la connaissance de Dieu. Écoute-moi bien, Dieu peut résister. Vous voyez, parfois, les chrétiens prient, et ça ne va pas, ils pensent que c'est le diable. Laisse-moi te dire que Dieu peut résister. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux dans la Bible, c'est celui qui ne compte pas sur Dieu, c'est celui qui compte sur son intelligence, et celui qui défie Dieu même d'une manière inconsciente, qui défie Dieu. Vous voyez, quand vous avez un pouvoir et comme un peu pharaon, et vous pensez que vous êtes des dieux, vous voyez, tous ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et parfois s'oublient et veulent agir comme Dieu, et Dieu peut endurcir ton cœur. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux être riche, tu peux avoir des titres politiques, mais tu dois savoir qu'il y a un Dieu au-dessus de toi, alléluia.
Et donc, Dieu peut résister. Il résiste. Il résiste, c'est-à-dire Dieu bloque. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 7. En parlant au mari, il dit, « Marie, vivez une vie calme et paisible avec votre femme. Vous n'êtes pas que Dieu résiste à vos prières. » Et parce que quand vous ne vivez pas une vie calme et paisible, il dit parce que votre femme est un être faible. Quand je dis la femme est faible, je ne dis pas que nous sommes plus forts qu'elle. Mais elle peut vivre en elle des tensions et quand vous l'humiliez, elle souffre beaucoup parce que c'est un être intérieur. Et Dieu dit que pour ne pas que ta prière soit bloquée, mène une vie calme et normale avec ta femme. Alléluia. Donc, Dieu résiste. Et il faut le savoir que Dieu résiste. Le bon dieuisme ne peut pas sauver quelqu'un. Dit, oh Dieu, il laisse tout faire. Vous savez, il veut que le pécheur vive. Il ne veut pas la mort du pécheur. Mais Dieu résiste. Il résiste aux orgueilleux. Et donc, puisque le peuple s'était détourné de Dieu pour suivre Baal, Dieu, par la bouche de son prophète, a fermé le ciel. Maintenant que le peuple a vu qu'il n'y a qu'un seul Dieu, puisque après ils ont exterminé tous les prophètes de Baal, donc il n'y avait plus de raison pour que la pluie ne tombe plus. Vous voyez, marcher dans la prophétie, c'est marcher dans l'actualité de Dieu. L'actualité de Dieu. C'est-à-dire l'événement de Dieu maintenant, ce que Dieu veut te faire faire, hein, et ce que Dieu veut réaliser. L'homme qui prie, l'homme qui a une relation avec Dieu, devient sensible au Saint-Esprit. Pierre avait l'habitude d'entrer au temple pour prier, et ce paralytique était toujours là, qu'on déposait chaque matin. Mais pourquoi, acte au chapitre 3, cet homme a été guéri? Parce que Pierre a été sensible à l'Esprit de Dieu. Il est entré dans l'actualité de Dieu. Dieu voulait guérir cet homme. Alléluia. Et Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, alors, est-ce que Élie a entendu quoi? C'est très important parce que des chrétiens veulent voir des grandes choses avant de croire à la puissance de Dieu. Jésus a dit à Thomas, heureux celui qui croire sans avoir vu. Mais croire, c'est voir quelque chose qui est de l'ordre spirituel, mais qui est là, en apparence. Croire, c'est voir. Voir avant de voir, comme j'aime dire. Croire, ce n'est pas le hasard. Alors, qu'est-ce que Élie va dire? Il va dire au roi, monte, mange rapidement parce que la pluie arrive. J'entends les grondements de la pluie. C'est très important, frères et sœurs, je vous dis que le mois d'octobre, c'est pour ceux qui veulent grandir. Grandir dans la foi, grandir dans la démarche prophétique. Tu vois, parfois tu veux qu'on te donne la bonne parole avant que tu crois que Dieu veut faire quelque chose en toi. Moi, je te demande de croire que Dieu veut faire quelque chose en toi avant de recevoir une confirmation par une parole prophétique. Et l'homme de Dieu connaît Dieu. Quand on dit dans la Bible l'homme de Dieu, c'est-à-dire c'est un familier de Dieu, c'est quelqu'un qui marche avec le Seigneur et c'est quelqu'un qui vraiment a une relation personnelle avec le Seigneur. Et je souhaite en ce milieu du jour que toi tu aies une relation personnelle avec le Seigneur. Cherche ta relation, cherche à grandir le Seigneur. Vous voyez beaucoup de gens, c'est vrai, tu peux aller à toutes les prières, tu peux même suivre ces émissions. Mais laisse-moi te dire que la croissance spirituelle commence quand tu te retires tout seul avec Dieu. Ce qu'on appelle dans l'église les pères du désert, c'est des gens qui allaient vivre dans le désert, dans des grottes, et qui cultivaient, je le dirais, leur relation, de cultiver dans le sens de faire grandir, pousser leur relation avec Dieu. Alors toi aussi, tu dois chercher ta relation avec Dieu. Quand tu traverses une difficulté, oh, c'est pas la peine d'abord de chercher les lieux où on prie, où on peut prier pour toi. Mais prends un temps. Et laisse-moi te dire que dans ce temps-là, tu ne pries pas pour ta difficulté. Dans ce temps, tu pries pour ta relation personnelle avec Dieu. Parce que quand on commence à s'inquiéter, c'est le signe que notre relation est en train de faiblir.
Sinon, le chrétien vit dans l'assurance, alléluia, dans l'assurance d'un Dieu puissant. L'ange a dit à Marie, car rien n'était possible à Dieu. Donc, si tu commences à t'inquiéter, si tu commences à être trop en colère, et même la jalousie, tous ces sentiments qui commencent à traverser ton cœur, la peur, tu te retires. Tu ne demandes rien à Dieu que de renouveler sa relation avec toi. C'est très important, tu dois renouer ta relation avec Dieu, et sûrement qu'il y a une facture. Et parfois, dans la journée, on pose des actes contraires à la volonté de Dieu. On peut s'énerver ou être jaloux simplement. Quand nous marchons avec Dieu, nous veillons sur nos pensées et notre cœur. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, du verset 1 à 5, c'est très bien, mais je vais citer le verset 4 ou 5, et il dit « Ayez les mêmes sentiments qui étaient dans le cœur de Jésus ». C'est-à-dire, en ce milieu du jour, tu dois avoir les mêmes sentiments, les sentiments qui étaient dans le cœur de Jésus. Et Paul va dire que lui, de condition divine, il n'a pas jugé bon d'être égal à Dieu. Il s'est abaissé. L'abaissement, c'est le chemin de la croissance. L'abaissement, c'est le chemin de l'élévation. Et même si tu as raison et qu'on t'accuse, dis simplement que je n'ai pas fait, c'est tout. Mais ne t'énerve pas. N'entre pas dans la colère. Quand tu es dans la colère, le diable est content et tu ne veux plus exercer un acte prophétique. Parce que l'esprit ne cohabite pas avec la colère. L'esprit ne cohabite pas avec la jalousie et la haine. Ton cœur doit être à Dieu. Paul dit, gardez vos pensées et votre cœur en Jésus-Christ. Et c'est très important que le sang de Jésus nous purifie. Alors, l'homme qui connaît Dieu, l'homme qui marche avec Dieu, c'est lui qu'on appelle homme de Dieu. Vous comprenez qu'on ne dit pas homme de Dieu au hasard. C'est un familier du Seigneur. Familier dans le sens où qu'il marche avec le Seigneur. On dira de Jean-Baptiste, petit enfant, tu marcheras à la face du Seigneur. Et pour accomplir le dessein du Seigneur pour notre monde. Alors, qu'est-ce que Élie va faire? Élie va sentir ça intérieurement. Il va sentir ça intérieurement et il va donner cette parole. Il va donner la parole, une parole assez forte. Il dit, monte, mange et bois, car j'entends le grondement de la pluie. Mais il n'a pas entendu ça d'ordre physique, mais d'ordre spirituel. Pendant qu'Acab montait pour manger et boire, Élie monta vers le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Un jour, j'ai essayé de faire ce mouvement d'Élie. Ça a failli me coûter cher. Alors, je ne te conseille pas de faire comme Élie. Voici ce qu'il doit faire. Il dit, il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Non, je ne te conseille pas de faire. Il dit à son serviteur, monte donc et regarde du côté de la mer. Il monta, regarda et dit, il n'y a rien du tout. Élie reprit, retourne sept fois. À la septième fois, le serviteur dit, voici un nuage petit comme une main d'homme qui monte de la mer. Voyez. Alléluia, je veux que tu sois béni en ce milieu du jour. Je veux que tu saisisses la réalité de la foi. La foi, ce n'est pas la magie. Quand vous êtes à côté d'un magicien, il lui fait tout et puis il dit, on prend. Mais la foi pour prendre, pour obtenir ton miracle, vous remarquez que Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Et les chrétiens, j'ai l'impression que et c'est comme s'ils ferment les yeux et ils veulent que quelque chose tombe du ciel. Ça ne va pas tomber du ciel sans toi. Ta bénédiction, Dieu, veut passer par toi. Ah. Oui, et la foi, c'est vraiment se lancer. Se lancer et dans ce que Dieu veut faire et accomplir le projet de Dieu, mais tu as ta part et Dieu a sa part. Dieu ne pourra pas faire, et même s'il a la capacité de faire, ce que toi tu peux faire, toi tu dois croire
et poser l'acte important. Vous voyez, quand il a dit au roi, monte, mange rapidement et redescends parce que la pluie arrive. Il dit, j'entends le grondement, mais le roi, je vous l'ai dit, qu'il n'est pas sourd quand même. Et même s'il s'était égaré un temps à cause des prophètes de Baal et sa femme Jézabel, mais il n'est pas fou. Akan n'est pas fou. Alors, il monte, puisqu'il faut soutenir cet acte prophétique. Il faut soutenir cette parole. C'est vrai que tu peux faire une déclaration prophétique. Poussé par l'Esprit Saint, tu peux faire une déclaration. Mais il faut soutenir ça dans la prière. Quand tu as fini de faire la déclaration prophétique, tu dois soutenir cette déclaration dans la prière. Alors, il a pris une position extraordinaire. Il se prosternait devant Dieu pour dire, Seigneur, ton serviteur est là et je te connais depuis mon enfance. Tu es le Dieu de miracles. Alors, il dit à son serviteur, regarde vers la mer, parce que lui n'osait pas regarder vers la mer. Et le serviteur dit, mais je ne vois pas de nuages, je ne vois rien. Il dit, retourne cette fois. Et à la septième fois, il voit un nuage qui a une forme d'une main humaine. Pharisien, est-ce qu'un nuage qui a une forme humaine peut provoquer de la pluie? Soyons sérieux. Non, les spécialistes en météo vont vous dire que ce n'est pas possible. Pour que la pluie vienne, il faut que le ciel soit totalement couvert de nuages sombres et vraiment de nuages très épais pour que la pluie descende. Il doit y avoir un vent froid qui commence à venir. Mais il dit, vous allez voir ce qu'il va dire au roi. C'est pourquoi j'enseigne moi la foi. Vous remarquez que tout mon enseignement tourne autour de la foi. Et si les chrétiens comprennent ce que c'est que la foi, s'ils comprennent ça, vous aurez des grands, grands miracles. Mais tu ne peux pas comprendre la foi si tu n'as pas une intimité avec Dieu. Le langage de Dieu, c'est un langage de la foi. Vous voyez, on parle des trois vertus théologales. Les trois vertus théologales nous servent à quoi? On le dit toujours, vous savez, c'est très bien. On aime parfois donner des énoncés, mais il faut expliquer au peuple de Dieu qu'est-ce que la foi. Vous voyez, on parle de la foi, de l'espérance et de la charité. Alors, certains disent, mais pourquoi on ne dit pas l'amour? Amour, charité, et la charité, c'est l'amour en acte. C'est-à-dire, c'est l'amour en œuvre. Et nous avons reçu l'amour de Dieu, a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains chapitre 5, verset 5. Mais il s'agit de vivre l'amour. Et quand vous vivez l'amour, on dit, vous êtes charitable. Et c'est très important. Alors, qu'est-ce que la foi apporte? La foi, c'est le socle. La Bible dit, nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Donc, on entre en contact avec Dieu à partir de la foi, qui est une semence spirituelle qu'il met en nous. Et cette semence va germer dans notre être intérieur. Et comme une semence du royaume qui va devenir un arbre, un gros arbre qui va, où des oiseaux pourront venir se poser dessus et faire leur nid. Donc, la foi peut faire de toi un géant. Alléluia. Quelle que soit ta taille, quand tu as la foi, tu es un géant. Parce que la foi fait de toi Hercule. La foi fait de toi Gédéon. La foi fait de toi Samson. Alléluia. Dans le livre des Juges. Et c'est très important. Alors, la foi, c'est par la foi que nous savons que Dieu a créé le monde, et comme le dit l'auteur aux Hébreux, chapitre 11. Et c'est par la foi que nous savons que Dieu est bon. Alors, l'espérance va nous aider à toujours persévérer dans la foi. Quand il y a les épreuves, on a besoin de quoi? Et c'est l'espérance qui nous fait voir au-delà de l'épreuve. Et donc, vous comprenez que l'espérance va nourrir notre foi et la foi va nous mettre dans l'espérance. Vous voyez, c'est pourquoi l'auteur aux Hébreux nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous comprenez qu'on ne peut pas séparer la foi chrétienne de l'espérance chrétienne. Hein? L'espérance chrétienne, c'est Jésus. L'espérance s'est fait chair.
Et en regardant Jésus, on espère. Et c'est l'espérance qui nous permet d'être très fort dans ce monde et de dire, après tout, ce monde va partir. Que sait-il à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Alléluia. Et la charité. La charité est liée aussi à la foi, parce que Jacques dit, montre-moi ta foi et moi je te montrerai mes œuvres. La foi sans charité, elle est morte. Vous comprenez que c'est un tout. C'est un tout. Et quand vous vous approchez de Dieu, vous voyez que tout est un tout, comme j'aime le dire. C'est-à-dire que je ne suis pas dit, non, moi je vis que la foi et sans la charité, sans l'espérance. Tu es menteur. Alléluia. Donc, quand vous vous habituez à cette grande présence de Dieu, à cette grande présence de Dieu, Dieu s'exprime en vous, et je le dis, Philippiens chapitre 2, verset 13, « Il suscite en vous le vouloir et le faire. » Donc, vous pouvez être poussé par l'Esprit Saint à faire une déclaration. Mais il faut la maintenir par la prière. Alors, il va dire... Le serviteur dit, voici un nuage petit comme une main d'homme qui monte de la mer. Alors Élie dit, monte dire à Akan, attelle et descends pour que la pluie ne t'arrête pas. Sur le coup, le ciel s'obscurcit de nuages et de tempêtes et il y eut une grosse pluie. C'est-à-dire que c'est simple. Peut-être que je veux que Dieu te communique mon espérance, ma foi et ma charité. Je veux que quelque chose se passe à chaque émission. Quand tu suis, il faut que tu grandisses. La magie, il fait tout pour vous. Le magicien fait tout pour vous. Mais Dieu fait tout avec vous. C'est la différence. Oui, je ferme les yeux et je cherche du travail. Je ferme les yeux. Voilà, je ferme les yeux. Je ne bouge pas. Je suis devant le Saint-Sacrement. Et puis le travail va tomber, quelqu'un va m'appeler, et puis on va me dire, non, ce n'est pas comme ça avec Dieu. Tu poses ta part. Tu fais ta part. Dépose d'abord, avant d'aller au Saint-Sacrement, dépose tes dossiers, quelque part. Vous voyez, et malheureusement, beaucoup enseignent la foi comme la magie, quoi. Ce n'est pas comme ça. S'il n'y avait pas eu... Les cinq pains et les deux poissons, est-ce qu'il y aurait un miracle de la multiplication de pains et de poissons? Non. S'il n'y avait pas eu l'eau à Cana, parce que Jésus a dit de remplir les six jars, s'il n'y avait pas eu ça, est-ce qu'il y aura le miracle du vin, l'eau transformée en vin? Très important, il y a notre part. Et si les serviteurs n'avaient pas pris l'eau, pour conduire l'eau, pour amener l'eau vers le maître de la cérémonie. Est-ce qu'il aurait un miracle? Il y a toujours l'action humaine. Je dis bien l'action humaine. L'action humaine. Le Saint-Esprit vient au secours. Quand on dit l'Esprit Saint vient au secours, ça veut dire que tu commences quelque chose. On n'a pas dit l'Esprit Saint fait tout. On dit il vient au secours de notre faiblesse. Elle dit, Dieu vient au secours de ce que nous ne pouvons pas faire. Mais tu peux proclamer la parole. Tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, et si tu crois au plus profond de ton cœur que ce que tu dis va arriver, cela arrivera. Et là, c'est toi d'abord. La grâce est en toi, mais c'est toi qui utilises cette grâce pour, et selon le dessein, bien sûr, de Dieu. Et la grâce, elle est là. Elle est là, peut-être même en puissance, mais elle doit passer en acte par ta parole. C'est quand Dieu a dit que la lumière soit, que la lumière fut. Mais on dit, Dieu a parlé d'abord. Si tu ne parles pas, si tu ne dis rien, si tu acceptes tout, parce qu'on vient te dire, vous voyez, et là je m'adresse à ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis arrivé hier de Togo, je bénis le peuple togolais, qui est un peuple de foi. Et j'entends dire qu'il y a des gens qui ont donné des prophéties catastrophiques sur la Côte d'Ivoire, des ponts qui vont se casser. Et puis, je vois des chrétiens qui sont en train de chercher à prier parce qu'on dit les ponts vont se casser. Attendez, je vais vous dire quelque chose.
Et j'étais heureux avant-hier, une de mes filles togolaises à qui on est venu dire que, écoute, on t'a vu mourir. Alors il y a un homme de Dieu qui lui dit, écoute, on va prendre un temps de jeûne. Elle dit, je ne jeûne pas. Mais laisse-moi te dire que je ne veux pas mourir. C'est tout. Parce que si tu jeûnes pour ça veut dire que tu crois en ça. Et si tu crois en ça peut t'arriver. Si tu crois en ça, si tu crois que tu vas mourir et que parce que quelqu'un est venu te dire ça, c'est quoi je parle de parole contre parole. Puissance contre puissance et esprit contre esprit. Je n'ai pas dit parole et parole. Je n'ai pas dit puissance et puissance. Je n'ai pas dit esprit et esprit. J'ai dit parole contre parole. Puissance contre puissance et esprit contre esprit. Alors, elle a dit, non, oh, d'accord, je te dis merci beaucoup, mais je ne vais pas mourir, je t'annonce que je ne vais pas mourir. Et donc, je ne vais pas jeûner pour ça. Elle me disait, non, qu'elle suivait les enseignements de Milan. Je dis merci. Et ma fille, je sais que tu me suis là, je te dis, bravo, enseigne cette foi aux gens, enseigne. Alors, je vois des chrétiens qui veulent faire des neuvaines, qui veulent prier parce que quelqu'un dit, voilà, des anges encore vont descendre, ils vont combattre. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Ayez-vous, les frères et sœurs ivoiriens, ayez la foi en Dieu. Et quand le diable veut avoir une nation, il sème des mensonges, des fausses prophéties, et pour embrouiller, parce que le diable, il sait que si tu n'as pas peur, ta foi grandit. Mais si tu commences à trembler, ta foi faiblit. Alléluia. Or, nous sommes assis sur le roc éternel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et vous voyez les chrétiens qui se laissent avoir. Non, le pont va casser. On dit ça va descendre en février, 4 décembre, 4 février. Je vous dis, je te donne rendez-vous en Pâques. Hein, tu as compris? Je vais faire à cause de toi, je vais faire un concert ici. Hein? Et pour que tu crois que tu vas vivre. Tu vas vivre, tu as compris? Ne crois pas que tu vas mourir. Et 2020 aussi, tu vas vivre. Alléluia. Je te donne rendez-vous en 2025. Voilà, tu as compris? Et prends ça, saisis ça, et vis avec ça. La foi, nous pouvons renverser toutes choses. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, voici ce qui a vaincu le monde, notre foi. Si vous vous laissez avoir par des paroles, par des faux prophètes, et qui viennent et qui veulent vous effrayer, je casse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grandissez! Alors, je m'adresse aussi à ceux qui véhiculent ces paroles, des soi-disant, les pseudo-hommes de Dieu. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes là pour instruire le peuple, pour faire grandir le peuple. Et Dieu veut accomplir dans le cœur du peuple des grandes choses, mais il faut que le peuple ait la foi. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre les puissants des ténèbres. Et vous qui voulez pousser les hommes à haïr des politiciens, à haïr tel politicien, je vous dis que vous affaiblissez le corps du Christ. Nous, hommes de Dieu, nous sommes des éclaireurs prophétiques. Et nous devons prévenir, nous parlons aux autorités pour dire, écoutez, changez de comportement. Mais laissez-moi vous dire, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les autorités politiques, économique, tout le monde, même les autorités religieuses, chacun doit changer de comportement pour accepter vraiment l'évangile de l'amour, doit changer de comportement pour laisser Dieu grandir. Que tu sois musulman, que tu sois protestant, que tu sois catholique, tu dois avoir la crainte de Dieu. On ne doit plus manipuler le peuple. Écoutez, le peuple va cesser de mourir. Mais si le peuple cesse de mourir et que vous entrez dans les pactes démoniaques, j'ai peur que ce soit vous, mais moi je prie pour que vous puissiez vivre et surtout vous vous convertissiez. Et que ce peuple ait de la valeur, des valeurs, de la valeur et des valeurs. Parce que la vie ce n'est pas ce que vous croyez, mais c'est ce que Dieu nous donne. Que vous soyez musulmans, les musulmans savent que c'est la vie intérieure. Les protestants savent que c'est la vie intérieure qui épanouit l'homme. Les catholiques savent que c'est la vie intérieure qui épanouit l'homme. Alors, faites attention. Alors je dis à tous ces prophètes de malheur, oh, être prophète de malheur, c'est pas ne pas annoncer des choses qui peuvent venir, qui peuvent être terribles,
Mais c'est la manière dont on annonce pour effrayer les gens. Et je peux vous le dire que Dieu garde son peuple. Alors ce que je dis au peuple, ne croyez pas à ces prophéties. Priez plutôt pour que votre nation ait la paix. Et nous avons lancé Côte d'Ivoire pour Dieu. Et nous aurons des grands... Je vous ai dit en même temps que nous aurons une très grande manifestation le 16 février, qui va réunir vraiment toute la Côte d'Ivoire pour chanter les merveilles de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui es pseudo-prophète, fais très attention. Hein? Et des Ivoiriens écoutent, il paraît qu'il y a une voix qui sort comme une voix de blanc, et puis toujours, vous savez, les gens écoutent, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Une armée, il paraît qu'une armée d'anges va descendre pour combattre tes frères ivoiriens. Tes frères ivoiriens. Est-ce que tu réfléchis un peu? Qu'ils soient Djoula, qu'ils soient Bété, qu'ils soient Abé, ce sont tes frères ivoiriens. Tu as compris? Il y en a qui sont contents, l'armée là va descendre encore. Vous savez, rappelez-vous, ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle rien, vous savez. Ne vous laissez plus avoir. Ne vous laissez plus avoir. Dieu peut frapper une nation. Mais si dans cette nation il y a 10 justes, alors sois un des justes, toi. S'il y a 10 justes, Dieu ne va pas taper la nation. Alors ce que nous devons faire, c'est que chacun individuellement doit chercher à être juste. De la justice même de Dieu. Alléluia. Donc, vous comprenez que ce sont des forces d'occulte qui travaillent dans ce sens, dans le cœur des hommes, pour mettre la haine. Et je dis mes condoléances à tous ceux, aux familles qui ont perdu un être cher pour cette toute petite élection. Vous voyez, je vous parle, vous les Ivoiriens. Je vais bientôt crier un peu plus fort. On a l'impression que les gens sont là, tout le monde est là. Tous ceux qui doivent normalement parler, qui doivent dénoncer, sont là, chacun est là. C'est comme la fatalité. Non, attention, ça c'est le démon. Hein? Vous devez dénoncer toutes ces choses-là. Les gens sont assis parce que chacun veut être tranquille, voilà, ne pas être persécuté. Non, pour entrer dans les actes prophétiques, il faut mourir en soi. Il faut être un homme de Dieu authentique. Jean-Baptiste, il aimait la vie, mais il savait qu'il devait prophétiser. Et il a prophétisé, il est mort. Vous savez, il y a des prophètes qui ne cherchent que l'argent, qui veulent la faveur des hommes qui ont de l'argent. Hein. Nous autres, nous avons choisi Jésus-Christ. Et nous avons choisi Jésus-Christ. La meilleure mort pour le chrétien, c'est de mourir à la parole de Dieu en main, c'est-à-dire en train de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Alors Dieu te oint et tu peux poser des actes pour renverser des situations. L'acte prophétique sont les actes qui vont renverser des situations. Élie est allé prier et il a demandé à son serviteur de regarder en direction de la mer et il a vu un tout petit nuage qui a la forme d'une main humaine. Et ça suffit, le petit nuage. Mais des chrétiens veulent voir des grandes choses. Seigneur, c'était vraiment toi. Non, c'est, imaginez-vous un nuage qui a une forme de main humaine dans le ciel. Donc, c'est presque un petit point. Mais c'était suffisant pour Élie pour encore faire une autre déclaration prophétique. Une autre déclaration prophétique en disant, cours, va dire au roi rapidement, la pluie vient. Et alors la Bible dit, regardez ce que la Bible dit, c'est tellement beau. Sur le coup, le ciel s'obscurcit de nuages et de tempêtes, et il eut une grosse pluie. Alléluia. Acab monta en char et partit pour Yizréel. La main de Yahvé fut sur Élie. Il saignit ses reins et courut devant Akan jusqu'à l'arrivée à Yizréel. C'est vraiment intéressant ce que Dieu fait. Et je vais m'arrêter là pour te dire simplement que tu dois grandir dans la foi. Tu dois avancer. Des hommes avant toi et des hommes maintenant continuent à poser des actes prophétiques. Continuent à poser ces actes prophétiques. L'acte prophétique et la déclaration prophétique vont ensemble. Quand Jésus pose l'acte prophétique, et il crache
par terre, il mélange sa salive avec la terre, donc ça fait de la boue. Il oint l'œil de l'aveugle et il fait une déclaration prophétique. Va te laver dans la piscine, va rincer tes yeux dans la piscine de Siloé. Et l'aveugle part et la peuple est guéri. L'acte prophétique te fait avancer rapidement dans la foi. Dieu veut accomplir toutes choses avec accélération. Mais il faut être un prophète authentique. Il faut poser des actes prophétiques. Tu ne peux plus encaisser les situations. Tu ne peux plus encaisser les situations. Beaucoup de chrétiens me disent, j'ai prié. Il n'a pas dit ça. Il dit de parler. J'ai prié, j'ai vu la montagne. Il dit de parler à la montagne. Parle à ton obstacle. Quand tu dis que tu pries, c'est adorer mon Dieu. Vous voyez, quand tu as un souci, laisse le souci de côté. Parce que quand tu commences à avoir peur, quand tu commences à t'inquiéter, c'est que ta foi a diminué. Alors, va chercher Dieu. Va chercher Dieu et tu verras sa gloire. Je vais prier pour toi. Notre Père et notre Dieu qui est comme toi, je te dis merci pour ces enseignements. Merci de nous faire grandir dans la foi. Merci parce que mon frère qui tremble, je lui dis, frère, parle, pose un acte prophétique et sois dans la joie. Seigneur, touche toutes les personnes qui souffrent de maladies qualifiées d'incurables. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissance de guérison, de miracle, touche au Père. Tous ceux qui se sentent paralysés par une peur, par une situation difficile, oh Dieu, viens. Tous ceux qui te demandent quelque chose en ce jour, oui, tous ceux qui n'ont plus rien, oh Dieu, comme Élie, je prophétise en disant, votre compte ne sera pas vide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, relève tes enfants qui sont couchés parce que tellement découragés. Oh Père, relève-les. Tous ceux qui sont malades, guéris-les par ta puissance. Merci, oh Dieu, de nous donner un esprit nouveau, un cœur de chair, pour que nous soyons sensibles à la motion du Saint-Esprit. Fais-nous grandir, oh Dieu. Et je veux te prier personnellement pour le peuple ivoirien et pour toutes ces familles qui ont perdu un être cher. Guéris leur cœur. On nous parle de 10 morts, Seigneur, pour une élection locale. Père, guéris les cœurs et guéris ceux qui sont blessés intérieurement. Donne la paix à ce peuple, oh Dieu. Touche les responsables politiques de cette nation et que la paix ne soit pas simplement un vain mot, mais, et comme l'a dit l'autre, que la paix soit un comportement de chaque jour. Père, je te dis merci pour ce que tu vas faire et je crois. Je te prie pour toute l'Afrique. Oh Dieu, nous ne voulons plus d'élections avec du sang. Nous voulons une Afrique nouvelle, nous croyons. C'est pourquoi, Père, nous avons lancé en ton nom Africa for God. Père, le moment clé est arrivé, le moment le plus important pour ce continent est arrivé, que la lumière chasse l'obscurité. Père, je crois que Jésus a le contrôle de notre monde et je crois qu'il fera de grandes choses pour ce continent africain. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Amen.